Communiqué de presse pour diffusion immédiate en Port-au-Prince le 11 septembre 2014. Virus Ebola, des mesures préventives en Haïti pour mitiger les risques. Le ministère de la Santé publique et de la population rassure la population haïtienne qu'il n'existe aucun réservoir du virus en Amérique, encore moins en Haïti, et que les risques d'introduction d'Ebola sur le territoire national sont très faibles. Le ministère de la Santé publique et de la population invite la population à garder son calme et informe de plus qu'un plan de réponse a été mis sur pied en étroite collaboration avec ses partenaires de la communauté nationale et internationale, dont les centres gestion, le CDC, l'OPS-OMS et d'autres partenaires de la famille des Nations Unies en Haïti, dont la MINUSTAH. Ce document vise à empêcher l'introduction du virus en Haïti et à sensibiliser le public aux mesures de prévention. La transmission nécessite un contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques de la personne ou de l'animal infecté, vivant ou mort, autant d'expositions peu probables pour le voyageur. Néanmoins, par mesure de précaution et pour prévenir l'exposition au virus Ebola, la ministre de la Santé publique et de la population, Dr Florence Duperval-Guillaume, recommande d'éviter tout voyage absolument indispensable aux zones du monde qui sont affectées. L'Organisation des Nations Unies en Haïti est engagée aux côtés du gouvernement haïtien et bien que le risque d'introduction d'Ebola en Haïti soit très faible, nous avons pris les mesures de prévention au-delà des normes internationales, a indiqué Peter de Klerk, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et coordonnateur humanitaire résident. À ce titre, les Nations Unies en Haïti ont mis en place des procédures additionnelles d'autorisation des déplacements vers et à partir des pays affectés, incluant une double autorisation sécuritaire et médicale. De même, le déploiement des contingents de troupes militaires et de police en provenance des pays touchés par l'épidémie d'Ebola à une mission de maintien de la paix des Nations Unies, quelle qu'elle soit, a été reportée jusqu'à nouvel ordre. Le ministère de la Santé publique et de la population réitère sa demande envers la population haïtienne de ne pas propager de fausses informations ou des rumeurs et de se référer aux messages transmis par les autorités au sujet de la maladie. La maladie a commencé en décembre 2013 en Guinée-Conakry et a touché 4 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Sierra Leone, le Libéria, le Guinée et le Nigeria. Le nombre de cas a augmenté exponentiellement et parfois des réponses inappropriées ont créé encore plus de frustration, en particulier celle des pays touchés qui font face davantage de défis sociaux et économiques à cause de cette maladie. En réponse à la gravité de la situation, le 8 août 2014, l'OMS a déclaré l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest une urgence de santé publique de portée internationale afin que les ressources et les mesures soient mobilisées pour combattre l'épidémie. Bien que le risque d'introduction d'Ebola, le risque associé à une introduction potentielle appelle à prendre des précautions appropriées. L'Organisation des Nations Unies en Haïti est engagée à ce titre aux côtés du gouvernement haïtien dans ses efforts pour réduire le risque au maximum et a pris les mesures de prévention au-delà des normes internationales. L'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale dans son ensemble prennent cette maladie très au sérieux. Le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a nommé le Dr David Nabarro comme coordonnateur
principal du système des Nations Unies pour le virus Ebola. Les Nations Unies en Haïti, ainsi que dans le monde, ont reçu les instructions du siège de l'ONU d'établir des procédures de suivi, de déplacement de leur personnel et de restrictions, le cas échéant. Il est donc possible d'arrêter la maladie de l'Ebola. Vous avez vu le cas, par exemple, au Sénégal, où il y a eu un seul cas qui est rentré dans le pays et il n'y a pas eu d'autres transmissions. Quand les contacts sont bien surveillés, les mesures sont bien prises, il est possible d'arrêter l'épidémie. Haïti n'a pas la présence du virus. Il n'y a donc pas de possibilité d'avoir l'Ebola en Haïti dans l'état actuel des choses. Le grand problème pour Haïti, pour le moment, comme tous les pays qui n'ont pas de la maladie dans leur pays, ce n'est pas tellement la maladie puisqu'elle n'existe pas, mais le grand problème, ce sont les rumeurs. Alors, les rumeurs, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que pour le ministère de la Santé, pour un médecin, pour une famille, pour un politicien, pour qui que ce soit, une rumeur doit être prise aussi fort au sérieux que si c'était un cas véritable. Et donc, ça a besoin d'une énergie énorme pour assurer que la rumeur est effectivement un canular et n'est pas quelque chose de sérieux. Donc, l'invitation à ne pas répandre les rumeurs, que ce soit par nos amis de la presse, que ce soit par la population, ou que ce soit par des gens qui ont des intentions de différents niveaux, est extrêmement importante, parce que ça représente un coût économique pour le pays, une réputation pour le tourisme, qui n'est absolument pas souhaitable pour quelque pays que ce soit.